Ziele unseres Seminars, das geht uns alle an, nachhaltige Entwicklung im internationalen Kontext, ist es eben denjenigen, die mit Jugendlichen arbeiten, entweder auf lokaler Ebene oder auch schon international in Austauschen, das Thema nachhaltige Entwicklung und insbesondere eben Bildung für nachhaltige Entwicklung näher zu bringen. Wir denken, dass nachhaltige Entwicklung ein sehr wichtiges Thema ist, das allerdings aber noch nicht wirklich im internationalen Austausch angekommen ist. Ça fait quelques années que la thématique du développement durable est de plus en plus présente médiatiquement dans l'intérêt que portent les personnes à ces questions-là. Et l'OFAGE soutient donc depuis quelques années des projets franco-allemands autour de cette thématique du développement durable, de l'éducation à l'environnement. Donc nous, on a travaillé à partir de ce qu'on appelle les 8 piliers de l'UNESCO, qui sont donc les 8 thématiques du développement durable telles que définies par l'UNESCO. Et pendant ce séminaire, on a décidé d'en aborder quelques-unes qui sont à travers des ateliers pratiques. Donc on a abordé l'égalité des genres, on a abordé la diversité culturelle, on a abordé l'environnement. On a voulu partager le projet en deux temps forts. Une première partie qu'on a fait à l'Allée, qui est un petit village près du massif du Vercors. Et pendant ces 4 jours, nous étions dans un éco-gîte. Donc c'était un lieu qui faisait la promotion d'une agriculture biologique. On a fait un atelier autour du photolangage, où les participants ont créé des panneaux autour de la thématique de l'égalité des genres. On a fait ensuite un atelier qu'on appelle Land Art, où le principe est en fait de s'appuyer sur l'environnement naturel. On était au bord d'une rivière, donc utiliser les ressources naturelles non vivantes, parce que l'idée est de respecter aussi la nature, donc de ne pas aller arracher des branches, mais d'utiliser plutôt des cailloux, du bois mort, pour créer des sculptures. Wir haben heute so einen Rahmen gebastelt, einen Bilderrahmen. Man könnte auch einen Spiegel hinten dran kleben, dann wäre es ein Spiegel. Und zwar geht es darum, dass man recycelte, also im Grunde genommen umweltfreundlich bastelt, ja, und alte Sachen wiederverwertet. Ich arbeite ja selber in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Kreuzberg und bin auch für den kreativen Bereich zuständig. Und denke, dass es das nächste Projekt werden wird, was ich dann durchführen werde. Je trouve ça très riche et très intéressant que l'OFAGE organise ces séminaires entre les Allemands et les Français dans le but de pouvoir partager sur les différentes cultures quand même, même au niveau de la nourriture, au niveau de la langue, au niveau des loisirs, au niveau de tout en fait, du contexte, etc. L'Office franco-allemand, c'est une grande chance par rapport à l'aspect linguistique, puisque ça permet aux participants de s'exprimer dans leur langue maternelle, et donc d'exprimer pleinement leurs idées, et donc de pouvoir aller au fond de leur pensée, du message qu'ils veulent faire passer. Dans chacun des pays, il y a des projets dans l'éducation au développement durable, donc l'idée c'est de présenter ces pratiques, ces exemples de projets lors de cette formation, pour s'enrichir des projets des uns et des autres et éventuellement réutiliser des aspects de certains projets qui peuvent être développés en Allemagne mais dans un projet francophone ou dans un projet en Allemagne, de réutiliser des exemples de pratiques dans le développement durable qui ont été faites en France.